da 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 da. Il était une fois, au temps des tout premiers commencements, une baleine, et elle mangeait des poissons, tout cru, qu'il eût cru. Elle mangeait la raie, le mulet, le hareng, le merlan, le turbo, le maquereau, et l'anguille, qui a la queue en vrille. Elle avalait tous les poissons d'un coup, comme ça. Tant et si bien qu'il ne resta plus dans la mer qu'un seul petit poisson, fort astucieux, qui nageait toujours prudemment derrière l'oreille droite de la baleine. J'ai faim. Noble et généreux cétacé, as-tu déjà goûté de l'homme? Non, c'est comment? Bon, mais coriace. Alors va m'en chercher. Un seul suffira pour commencer. Si tu nages jusqu'à 50 degrés de latitude nord et 40 degrés de longitude ouest, ça c'est magique. Ou géographique. Tu trouveras, assis sur son radeau au milieu de la mer, avec rien sur lui qu'une culotte de toile bleue, une paire de bretelles. Attention, il ne faut pas oublier les bretelles. Et un couteau perso. Un marin naufragé qui, je dois te prévenir, est presque aussi astucieux que moi. Astucieux? Oui, on n'empêche qu'il jouait avec ses doigts de pied dans l'eau salée. La baleine nagea donc et avala le marin naufragé et le radeau et la culotte de toile bleue et la paire de bretelles qu'il ne fallait pas oublier. Et le couteau perso. Au fin fond des placards du ventre de la baleine, le marin se mit à cogner et à frapper, à bondir et à mugir, à hurler, à taper des pieds, si bien que la baleine se sentit fort déprimée. Oh, cet homme est vraiment coriace! Il me donne le hoquet! Que dois-je faire? Dis-lui de sortir! Hé, vous, le marin naufragé! Sortez de mes placards! J'ai le hoquet! Non, non, pas question! Ramène-moi vers mes rives natales! Et j'y réfléchirai! Tu ferais mieux d'accepter. N'oublie pas qu'il est presque aussi astucieux que moi. Qui l'eût cru, la baleine obéit et s'échoua sur la grève. Fitchberg, Herminus, tout le monde descend. Maintenant, vous savez pourquoi il ne fallait pas oublier les bretelles. Le marin s'en retourna chez sa maman. Il se maria et eut beaucoup d'enfants. La baleine aussi. Et depuis ce jour, à cause du grillage dans sa gorge, elle ne peut plus avaler personne, excepté de tout petits, petits poissons. Tout pareil à notre héros si astucieux qu'on ne revit pas de sitôt dans les parages. Il voulait pas finir au fin fond des placards de la baleine. Cette histoire, nous laissant un peu sur notre faim, en voici une autre qui ne manque pas de sel, ni de sucre.
En effet, dans une île totalement inhabitée des bords de la mer Rouge, vivait un Parsi, dont le bonnet reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Ce Parsi possédait un fourneau de cuisine, un de ceux auxquels il ne faut jamais toucher, vous savez. Un jour, il se prépara un fantastique plat de roi et le mit au four, parce que lui, il avait le droit de se servir de ce four. Et il le fit cuire et cuire et recuire. Recuire. Recuire jusqu'à ce qu'il soit doré à point. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette roue-là dans le sable, c'est une roue du char de Pharaon. Il l'a perdue en essayant de traverser la mer Rouge. Ça sent très bon. J'en pleurerai presque. C'est à ce moment précis que déboula, venant des déserts inhabités de l'intérieur, un rhinocéros. Et alors ? Avec une corne sur le nez, deux petits yeux de cochon et assez peu de manières. Ce rhinocéros s'appelait Strorx, parce qu'il respirait par la bouche et pas par le nez. Notez bien qu'en ce temps-là, la peau du rhinocéros lui allait tout juste. Elle ne faisait aucun pli, nulle part. Strorx ressemblait exactement au rhinocéros de l'Arche de Noé, mais en beaucoup plus gros, bien sûr. Ayant englouti le gâteau, le rhinocéros regagna les déserts totalement inhabités de l'intérieur. Écoute bien mon proverbe, Strorx. Malheur à celui qui va chiper les biscuits par le parsi bien cuit. Ce proverbe en rime, ce n'était pas de la frime, vous pouvez me croire. Parce que, 5 semaines plus tard, il y eut une terrible vague de chaleur. Le Parsi retira son bonnet, à la splendeur plus qu'orientale, et le rhinocéros retira sa peau, qui se boutonnait par en bas à l'aide de 3 boutons. Vous voyez pas la différence ? Mais c'est que le rhinocéros est aussi noir sans sa peau qu'avec, voilà tout. Pas un seul mot d'excuse, non mais quel gros mal élevé!
Le Parsi ne mangeait que du gâteau, ne balayait jamais, et il était très rancunier. Le rhinocéros remit sa peau et ça le chatouilla comme des miettes dans un lit. Alors il commença à se gratter, ce qui fut pire. Et pire. Et pire encore. Et alors ? Alors il se gratta et se frotta, se refrotta et se regratta, tant et si bien que sa peau se mit à faire des plis, partout. Alors son mauvais caractère empira encore, mais les miettes s'en moquaient. Et voilà pourquoi, depuis ce jour, tous les rhinocéros ont une peau qui fait des plis et un caractère épouvantable. Quant au Parsi, il emballa son fourneau et s'en alla se faire cuire des gâteaux en direction d'Orotavo, d'Amygdala, des hautes prairies d'Anantarivo et des marais de Sonaput.